moi un vrai plaisir de prendre part au nom de son excellence, l'ambassadeur Amadou François B, directeur général de l'Union sénégalaise des services empêchés, à cet atelier organisé par Compétence 221 dont le thème porte sur la gouvernance de la diaspora et de la migration. Illustre parfaitement que la problématique des questions liées à la diaspora et à 221, ce qui justifie d'ailleurs sa parfaite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal extérieur et la direction générale de la Sénégal extérieur particulièrement. L'occasion des responsabilités de toutes les entités qui sont présentes aujourd'hui. Permettez-moi de souligner que cette rencontre vient en soi qui a porté un coup dur sur la diaspora sénégalaise avec la fermeture de certaines frontières et les restrictions sanitaires fortement au développement socio-économique du Sénégal à travers les transferts de fonds qui sont évalués à plus de 1 milliard par an, les transferts de connaissances et de compétences. Donc, cette initiative de compétences 221, nous ne pouvons que nous en féliciter avec le concours bien évidemment des partenaires qui s'y présentent à cette auguste assemblée. Chers collaborateurs, chers assistants, osons donc espérer qu'au sorti de cet atelier, une issue favorable sera présente pour que nous puissions. Merci beaucoup de votre aimable attention pour faire le travail. Du travail que l'on a mis en place ensemble pour essayer déjà d'en discuter et après essayer de voir comment on peut faire pour mettre en place un cadre de concertation globale autour de ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes en partenaire du ministère des Affaires étrangères de veille et d'alerte des opportunités de financement, de formation